Bonsoir à toutes et à tous, comment allez-vous? Je vous reprends à 21h07. Je viens de me lever. On a été faire une petite sieste. J'ai dormi 1 heure. 1 heure, 2 heures. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Alors, on a dormi 4 heures. Ceci est encore au lit, on regarde en train de regarder son téléphone. Et ouais, je vais vous faire une petite recette. Oh, j'ai froid, puisqu'on n'en a pas encore mangé. Faire une petite recette. Si je voulais faire du retime, allez, retime à l'échalote, mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas, c'est que du riz à l'échalote à la rigueur. Mais du retime, il n'y a pas. J'ai regardé sur internet, il n'y a pas du tout. On pourrait faire éventuellement, mais eux ils proposent autre chose. Donc ils proposent recette retime à la sauce soja. Donc comme j'ai la souche, j'ai la chrouche soja. Donc on va faire cette petite recette. Mais bon, il n'y a pas que du soja dans cette recette. Hein. Donc nous avons un oignon, nous avons des œufs et éventuellement de l'ail que je vais éplucher. Et le restant du riz thyme qui est là. Avant tout, je vais petite rillette, je vais donner un petit peu de rillette à Monsieur Mahout. Monsieur Mahout, il adore les rillettes. Comme ça fait un bon petit moment qu'il n'a pas mangé de rillettes. Donc je vais lui donner un petit peu de rillettes. Je vais donner un petit morceau. Pas trop gros. Hop, tu veux Maout? Là, il est là, Maout. Il est là, Maout. Il est là, Maout. Il est là, Maout. Un Maout. Oh, mon bébé Maout, tu veux rillette? Hein? Tu veux rillette, Maout? Hein? Tiens, la paysanne. Oui. T'es bon? T'es bon? Moi, t'as déjà mangé? Eh ben, dis donc. Attends, papa, il donne. Tiens. Bah non, tu n'as même pas mangé. Bah alors? Tu te rappelles plus de manger rillettes? Ah, quand même. En plus, c'est pas dur. C'est bon? Ouais, il mange plus en tellement entier quoi. Donc d'habitude, il le mange entier. Mais bon, on va le laisser manger tranquillement, Maous. Donc voilà, le pépère, il est là. Il est là, le bébé. Le petit Maous, il est là. On va le laisser manger tranquillement. Et au pire, s'il n'en veut pas, bah, je le mettrai à la poubelle.
Moi, je commence à avoir la dalle. J'avais un petit creux cet après-midi, du coup, on n'a pas mangé. Hop, bon, on va éplucher l'oignon et l'ail. Petit couteau vert. On va mettre. Et on va mettre de l'eau, de l'eau. Prendre de l'eau. On va mettre l'ail à l'intérieur. Le temps ça mijote. Voilà, on met l'ail à l'intérieur dans de l'eau. Voilà. Hop. C'est pour enlever la peau. Pour enlever la peau plus facilement. Donc voilà. Donc pendant ce temps-là, on va faire l'oignon. Le temps que ça farcit. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon samedi. Comme je l'ai dit la dernière fois, le week-end passe énormément, énormément vite. C'est incroyable. La preuve, voilà, il est déjà 21 h. On est quand même levé, c'est quand même se lever de bonne heure. Ça là-dedans. Hop. Maintenant dans le petit robot. Donc le petit. Petit bordel, on avait le petit bordel, aïe, tac, on va faire tout l'ail comme ça. Hop, vous avez vu, il s'enlève, ça s'enlève facilement. Il est temps que je machine. Bordel, il s'abîme.
Là, ça y est, elle a mangé ses petites triguettes. Alors, hop, voilà. Ah, c'est encore 2-3 après à l'archival. Et petit bébé. Voilà. Ça y est, il n'y a plus rien. Ça, il n'y a plus besoin, c'est fait. Hop, hop, on va mettre dans la plonge. Et là, comme Michel dit là, on va balancer les couverts, les couteaux. J'ai mis mon gilet, j'avais un petit peu froid là. Même droit. Voilà. Donc on va faire. Et voilà. Voilà, petite mixture. Donc on va aller là-bas. Je vous déplace. Je vais vous mettre là où je peux. Je vais vous mettre là où je peux. Là où je peux. Comme ça, je vais pouvoir vous descendre. Voilà. Voilà. Vous voyez là? Bon, c'est bon. Ensuite, la casserole. C'est pas celle-là. C'est pas celle-là non plus. C'est celle-là. Voilà. Ma casserole de chez Action. Oh, la tête dans le cul.
Désolé du terme, mais c'est comme ça on dit. Chier au chat, on dit. Pourquoi lui se machiner? Voilà, donc de l'huile d'olive. Voilà. De l'huile d'olive. On va faire chauffer un tout petit peu. On va préparer le riz time. Et là, hop, on va prendre la maouise. On va attendre que ça chauffe. C'est pour ça que j'ai fait chauffer le gaz avant. Qu'il soit bien chaud. On va retrousser les manches. Voilà. Donc ça va vite, hein, c'est facile à faire, il n'y a pas grand chose. Hein. Bon, un truc assez compliqué, mais non. Hein. Ça va vite. Je vais essayer de cuire un petit peu les trucs. Hein. Donc la recette, elle est sur internet. Moi j'ai mis riz time à l'échalote, donc du fait que ça le met pas, ça te met une autre recette, ça te met riz time à la sauce soja. De laisser un petit peu cuire un petit peu pas qu'il soit cramé non plus. Après on va la rajouter les œufs d'après les œufs la sauce soja qui logiquement va donner une petite couleur marron au riz time. Normalement c'est à la sauce soja tout court nature. Sans salé, sans sucré, c'est les natures. Il faudra que je la prenne. Comme ça, j'aurai les trois sauces soja. Je vais voir sur Temu si ça n'y est pas.
Donc, faut que je prenne un bol. Donc on va casser les œufs, qu'est-ce qu'ils disent? Prendre un bol, casser les œufs, après les battre. Hop, on va quand même mettre un petit peu de sel, un petit peu de poivre quand même. Ça fait un peu de. Voilà, pour donner quand même un petit peu de goût. Un petit peu de. Un léger soupçon de persil. Un petit peu de ail. Un petit peu de parmapapa. Voilà. On mélange. On les bat. Hop. On met ça dedans. Voilà. On attend que ça cuit. On attend que ça cuit cuit. On aurait dû remettre un petit peu d'huile pour éviter que ça crame. Là ça roule un petit peu, là, ça colle. Je vais baisser mon feu. On va mettre de la sauce soja. Eux disent une cuillère à soupe. Hop, eux disent une cuillère à soupe. On va en mettre deux. Voilà. Toc. Et après, tu mets ton riz thyme dedans. Voilà. Ils disent une cuillère à soupe, mais bon, je sais pas vraiment si ça. Parce que ça donne pas quand même la couleur. Marron. Bon, après, je sais pas si c'est ça, mais normalement, c'est la recette. Hein. C'est genre, c'est la première fois que je le fais. Moi, je me demande si je vais pas rajouter un petit peu de
Donner un peu plus de couleur marron. Mon avis, si tu es le soja normal là, nature, mon avis, il doit être plus foncé que ça. Peut-être pour ça, donc pour ça, je crois que je vais le prendre. J'ai dit sauce soja, mais ça m'attendra que ça soit celui-là, le salé. C'est l'autre là, c'est marqué sauce soja tout court. Retourner parce que comme c'est le time, c'est pas facile de retourner le time comme ça à la main à la poêle. Bon bah voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Voilà, le bordel est bien chaud. Ah, t'entends mettre partout. Ça va. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Hop, on enlève. Sinon, le truc il va cramer. On va prendre une autre poêle. Hop. Une trois poils. Ah, j'ai tombé du riz partout. Hein. De toute façon, c'est pas sale, c'est du riz. Hop. Ça fait un petit coup. Fait. Hop. Voilà. Le couvercle, ça à la poubelle, au sale, rebelote un petit peu d'huile. On va augmenter le feu et on va mettre les nems à la poêle. Des nems, je crois que c'est au poulet celui-là. Ouais, au poulet, ouais. C'est pas souvent qu'ils sont au poulet, d'habitude ils sont en. Ils sont en. Hop, avec la petite sauce que je garde. On va se partager. Ça va, Maout? Oui, Maout. Oui, je vais donner à manger. Attends. Deux petites minutes. Le temps que ça cuit. Papa met ça à la poubelle. Et je vais te donner à manger, mon cœur. Hop. Ça, poubelle. Ça, hop, au sale. Ça au sale. Hop. Un petit coup sur la table pour que ça fasse plus propre. Hop. Toc. Ça va là. Donc ça. C'est chaud quand même. On va retourner. Voilà.
À surveiller parce que ça cuit très très vite. Ça cuit très très vite. Hop, et nous on va aller donner à manger à monsieur Maoutz. Hein, Maoutz? On va donner à manger? Hein? On va donner miam miam au bébé. Petite assiette. Un maout, regardez. Un maout. Coucou. Ça va mon bébé? Miam miam? Hein? Miam miam? Oui, miam miam. Oui, on va donner miam miam. Papa va donner miam miam. T'as vu ce petit cri là? Ce petit cri d'alarme. Miaou. Ça veut dire papa, j'ai faim. Vite. Donne-moi à manger, si je t'en supplie. Donc, petit whiskas. ICO. Saumon. Tu vas aimer saumon? Oui, hein, tu vas aimer saumon. Dans la logique des choses, oui, tu vas aimer saumon. Oh, monsieur Blacko. Ça fait les dodos. Fais de dos, petit braco, hop, voilà, petite gamelle qu'on va donner au chat. Tiens, mon bébé. Allez, bon appétit. Voilà, il mange. Les blacos, il m'arrive, il mangera après. Et des fois, ils le laissent manger tout seul, ou des fois, ils mangent ensemble. Ils mangent ensemble, ou ils attendent qu'il finit. Il attend qu'il finit, et après, lui, il mange. S'il n'y a pas assez, bah, s'il peut que Maous, bah, il a eu faim, il a faim, il mange tout le truc, je lui redonne un autre sachet. Ni l'heure d'aimer, hein. À part ça, je nourris pas mes chats. Hein. Un petit coup de clin d'œil à Vanessa. Non, n'est-ce pas Vanessa? Qui a refait son compte pour revenir insulter les gens. Oui, mon bébé. Oh, merde, les trucs. Ils vont cramer. Ça a cramé. J'en étais sûr que ça allait cramer. Ah, j'arrive pas à les faire cuire. Hein. Ça, je m'en doutais. J'allais faire autre chose. Que ça allait cramer. Ah, ça, pour les nems, faut hyper, hyper, hyper surveiller. J'en ai fait cramer un. Faut vraiment, vraiment les surveiller, c'est tout ça. Faut pas partir ailleurs, vous revenez, c'est cramé. Hop, ça c'est. Donc on va sortir les assiettes. Du coup, je retourne. Ça, vous n'avez pas trop le tourni. On va sortir les belles assiettes. L'assiette à mamie et l'assiette de action. Donc les nems que j'ai cramés. On va cacher. Hop.
Moi, je sais pas les faire cuire. C'est pour ça que je laisse tout le temps essayer de les faire cuire. Louis en Clobenz. On va mettre la serviette là sur la table pour éviter de cramer le bordel. Voilà, comme ça, on a assez pour nous deux, pile poil. Voilà, ça avec une petite entrée au début. Et voilà, on va racler ce qui reste. Bien sûr, on va pas le jeter. Hein. Hop. Voilà, ça ou ça. Un petit coup d'eau. Un petit peu d'eau. Et alors je batte. Donc moi je vais manger un avocat avec. Hop. Ça, c'est mon habitude. Couper en deux. Il est là. Wesh. Normalement, il est bon. Normalement, il est bien vert. Il est censé être bien vert. On le voit au niveau de la pellicule, là. Ici, là. Là, à la pellicule, là, on voyait que c'est bien vert. C'est que l'avocat est très très bon. Tu veux dire, à l'intérieur, il est bien vert. Voilà, ça sert de travailler aux fruits et légumes. Tu connais beaucoup de choses. Ça t'apprend à connaître beaucoup de choses. Hop, moi je découpe comme ça. Après, je coupe. Comme ça, hop, 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 je fais des ciselages à l'intérieur, et après, hop, je fais comme ça. Enfin, quand j'y arrive, parce que là j'ai un trop gros couteau.
trop gros couteau, c'est pas bon. Faut que je prenne un couteau plus petit. Seigneur. Hop. C'est parti. Toc, toc, toc. Et moi, je le mange comme ça. Enfin, je le mange aussi comme ça. L'avocat pas dessus. Et c'est super bon. Essayez un jour. Vous faites des pâtes ou du riz. Ou du riz time. Avec sauce ou nature. Vous mettez un avocat coupé comme ça en petits morceaux par-dessus. Voilà. Et je vous promets, c'est pas dégueu. C'est super bon. Si vous aimez l'avocat, il n'y a pas de souci. Moi, très souvent, je fais ça dans les plats. Au boulot, quand je ramène mes plats, n'importe quel plat, hop, je prends un avocat, je coupe en mon petit morceau et je mélange avec. Et c'est... Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand j'étais comme ça, quand je filmais mes petits plats le midi, je ne sais pas si vous vous rappelez, je mettais toujours un avocat dans mon plat. Marcher dans la gamelle. Ça y est, t'as mangé? C'était bon? Ah bah, il a bien mangé, hein? Il a bien mangé. Donc le reste, c'est pour bébé. C'est pour Mayou, pour Monsieur Blaco. Celui-là, hop, il est un petit peu séché. On jette. Voilà. Hop, ça, on jette poubelle. Ou sale, là, décidément. Un petit peu de palin par-dessus. Voilà, pour donner un petit peu de couleur. Voilà. Un petit peu de couleur pour Cécile aussi. Et voilà. Pas trop parce que c'est pas du persil au riz. Hein. C'est du riz ou persil. Donc voilà. Petit plat. Tout simple. Tout mimi. Et on va se régaler. Et ça, c'est pour moi. Voilà. Donc croyez-moi, c'est pas dégueulasse, hein, c'est super bon. Testez, essayez-le, vous allez voir. Sinon, si vous avez peur de ne pas aimer, ce que vous faites, vous prenez un morceau d'avocat à côté, vous mangez soit du riz, des pâtes en premier, après vous coupez un petit morceau d'avocat, vous le mangez comme ça avec. Et si vous aimez, bah voilà, vous coupez en plusieurs morceaux et vous mettez dedans. Si vraiment vous avez peur de vous empoisonner. Si je le fais, c'est que c'est bon. Hein. C'est que c'est bon, hein. C'est que la preuve, hein, je suis encore vivant, je ne suis pas mort. Donc, wali, walou. Donc voilà. Donc sur ce, si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, partager, sonner la petite cloche. Et nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures, de petites recettes ou de plats du soir. Ciao, ciao! Bonne fin de samedi. Bisous!